Un autre point mérite l'étude. Jamais un artiste n'aurait laissé un portrait royal avec un seul œil. Ce visage défiguré aurait été impardonnable. Par cette remarque, Stirling semble ignorer les circonstances dans lesquelles s'acheva l'aventure amarnienne. La panique, la précipitation, la fuite des proches du pharaon renégat. L'état de la momie, ou plus exactement du squelette d'Akhenaton et de son sarcophage, KV 55, révèle assez la vengeance des élateurs d'Amon. Mais dira-t-on, si les fanatiques s'en étaient pris à ce buste, ils ne se seraient pas contentés de le priver d'un œil. Et l'auraient mis dans l'état de celui du pharaon hérétique, découvert selon Borchardt à côté. Comment ne pas s'apercevoir que le buste d'Akhenaton ne s'est pas cassé en tombant dans l'atelier du sculpteur? Il a été frappé, fracassé. Il ne s'agit pas d'un accident, comme le laisse entendre Borchardt et à la suite Stirling, mais d'une agression. On ne relève rien de la sorte sur celui de Néfertiti. S'il avait été dans la même pièce, comment aurait-il pu échapper au coup des fanatiques? Pourquoi Stirling ne reproduit-il pas une image de ce buste dans son livre? Ce qui devrait inévitablement le conduire à poser cette question. Et pourquoi lui substitue-t-il un autre buste? Celui du Louvre, agrémenté de cette seule excuse, de cette embarrassante litote. Borchardt a trouvé lors de ses fouilles de 1911-1913 à Tell el-Amarna un buste analogue, mais en moins bon état. Il suffit de voir le buste qu'il a choisi et l'autre buste pour se poser des questions. Pourquoi nous cacher la vérité? Quoi qu'il en soit, toutes ces interrogations, toutes ces considérations, n'établissent pas que le buste de Néfertiti soit un faux, ou toute autre sorte de contrefaçon moderne. Henri Stirling ressent une gêne à la vue d'un visage si parfait, mais borgne. Cependant, l'observateur n'est pas neutre, et sa culture le suit. En d'autres termes, cette particularité ne dérange-t-elle pas un regard occidental avec sa conception de l'espace tridimensionnel, de la perspective, etc. Laissons le cas où le portrait aurait été imaginé pour être vu de profil. Et voyons plus attentivement comment est née la pénible impression. Incontestablement, l'élégance avec laquelle la reine porte cette encombrante parure revêt un aspect fascinant. J'étais charmé par tant de modernité. Mais mon sentiment devant ce buste presque intact ne tarda pas à se muer en une profonde gêne quand je découvris que son œil gauche était vide. La cavité, parfaitement nette, laissée en blanc, paraissait inconvenante comparée à l'œil droit, si vivant, fait de matériaux semi-précieux figurant le globe oculaire, l'iris et la pupille de cristal de roche. Cette absence flagrante de l'œil gauche ne résultait visiblement ni d'une perte, ni d'une détérioration due au temps ou au vandalisme. Il s'agissait d'un vide propre, comme clinique, reflétant la volonté de son auteur. C'est pourquoi je perçus comme insolite ce trou laissé en blanc. Il m'a paru comme un affreux crime de lèse-majesté. Se pouvait-il que le sculpteur ait assumé une telle provocation? Que signifiait cette lacune béante et absurde? Esquisse ou ébauche? En tout cas, elle attestait un manque de respect pour le personnage figuré. Surtout si l'on connaît l'importance que les anciens Égyptiens conféraient à l'image,
rôle magique de l'effigie, qui pour eux incluait en elle-même la valeur de l'être représenté. Déception donc, et doute. On voit que cet œil manquant est déterminant dans l'effet ressenti par Stirling. Mais précisément parce qu'il pense qu'il a été voulu ainsi par le sculpteur. Qu'est-ce qui lui permet de le croire? En réalité, rien de solide. Stirling cite ces quelques lignes signées de Dorothea Arnold, conservatrice du département d'art égyptien au Metropolitan Museum. Il serait intéressant d'avoir plus d'informations sur l'absence de l'œil gauche. Borchardt, pour sa part, avait déclaré avoir fait faire par ses ouvriers des recherches minutieuses sans avoir trouvé d'autres débris dans les gravats. Il reconnut par la suite qu'il n'y avait pas de traces de colle dans la cavité oculaire et que celle-ci était lisse et n'était pas destinée à recevoir une incrustation. Il concluait que l'œil gauche n'avait été pourvu d'aucun élément rapporté et que la pupille gauche n'avait jamais existé. On voit ici un défaut caractérisé de rigueur dans un esprit qui se croit scientifique. Le fait qu'il n'y ait pas d'œil ne signifie pas qu'il n'allait pas y en avoir. Comment savoir si le sculpteur a voulu pour définitif l'état dans lequel a été trouvé le buste? Sur quel élément établir cette opinion? Si ce n'est sur le fait que le buste se présente ainsi devant nos yeux. Le ton de son élaboration en quelque sorte arrêté. L'auteur semble manquer d'imagination sur les circonstances de production d'une œuvre et sur les hasards qui peuvent la laisser inachevée. Alors qu'il reste le plus souvent sceptique devant sa parole, Stirling admet l'explication donnée par l'égyptologue Borchardt, hasardant que l'œil gauche n'a jamais été prévu pour recevoir quoi que ce soit parce qu'il est propre. Il n'imagine pas que ce aurait pu être le cas aussi de l'autre œil, du moins à l'origine. Peut-être Thoutmose a-t-il essayé le buste d'abord avec les deux yeux vides, puis ayant changé d'avis ou reçu l'ordre de modifier son travail, a commencé cette action sur l'œil droit, avant d'être interrompu par un événement particulier. Le fait d'avoir au départ conçu le buste avec les iris vides surprend-il? Le sarcophage de la tombe KV55 n'a pas non plus reçu de quoi remplir son œil. L'un des sarcophages de Toutankhamon n'a pas d'iris, alors que l'autre en a. Une statuette d'Amenophis IV, trouvée par Borchardt, est monochrome, sans œil rehaussé. Mais la coiffe a cependant été colorée en bleu. Bien sûr, il s'agit dans ces divers cas des deux yeux. Mais il faut bien commencer par dessiner ou remplir un œil avant de faire les deux. S'il avait su, au préalable, que le sculpteur voulait continuer son travail, Stirling n'aurait donc pas ressenti de gêne. Ce n'est donc pas l'objet lui-même qui pose de problème, mais la réflexion que certains en tirent. La volonté de démontrer la falsification repose sur la fragilité d'une idée mal fondée. Le masque mortuaire de Toutankhamon, avec ses deux yeux hypnotiques, mais privé lui aussi de ses épaules, ne peut-il pas faire naître un malaise comparable? La vie figée dans la mort peut désorienter une âme sensible. La contemplation prolongée d'un objet inerte, investi d'une concentration artistique d'une intensité si grande qu'elle lui prête vie, plonge le spectateur dans la perplexité. Attention à ne pas céder aux délices de l'idolâtrie. À la mise en cause de l'aspect et du style s'ajoute inévitablement le doute émis sur les moyens techniques disponibles à l'époque.
Dans l'Hermès, certains ont souligné que le dos laisse apparaître des traces d'outils qui ne sont pas habituelles encore à l'époque de Praxitèle, pour ce que nous en savons. Il est intéressant de s'apercevoir que la qualité magique de la statue, inégalée par aucune copie de l'Antiquité, ne pèse guère chez ceux qui établissent leur avis scientifiquement. Alors qu'il est évident qu'un artiste secondaire, pour ne pas dire un faussaire, ne possède par définition pas la puissance créatrice d'un génie. Les raisons qui ont pu faire une particularité, même si elle peut étonner, ne plaident pas pour un copiste, et l'on pourrait faire l'effort de chercher diverses explications. L'Hermès pourrait être une œuvre tardive, pas complètement fini par l'artiste. Michel-Ange n'a-t-il pas laissé des esclaves inachevés? L'œuvre de Praxitèle pourrait avoir été finie par un élève de son atelier, ou restaurée parce que malencontreusement abîmée, ou placée de façon qu'on ne voit pas le dos, et dans la précipitation d'une occasion particulière. Le tenon qui relie la hanche au tronc d'arbre déplaît à certains, mais le marbre l'impose et il n'y a pas de preuve que Praxitèle ait pu s'en passer. Les répliques de l'Apollon Soroctone, du Satyre au repos et de l'Aphrodite de Cnide y font appel. Et le peintre Nicias pourrait l'avoir habilement camouflé. Le visage de l'enfant n'est pas assez soigné, mais Praxitèle pourrait avoir eu recours à un aide. Et le bras tendu du petit Dionysos, aujourd'hui manquant, le dissimulait. Le traitement du drapé sur l'arbre n'est pas courant. N'est-ce pas la preuve de la personnalité d'un grand artiste? On le voit à chaque moment, le doute ne repose sur rien de solide. Alors que la découverte de la statue à l'endroit où Pausanias indique une œuvre de Praxitèle, le style tellement éloquent de l'artiste et la beauté stupéfiante de l'œuvre devraient plaider pour l'authenticité. Mais justement, ces éléments sont trop concordants pour les pessimistes qui ne veulent pas croire à leur chance. L'Athéna Parthénos de Phidias n'était-elle pas crise éléphantine? On ne peut en douter, bien que l'on ait guère retrouvé de statues façonnées dans cette technique. Michel-Ange n'a-t-il pas fait incliner de manière inattendue le plan du jugement dernier? Les exemples d'œuvres qui s'écartent des standards en vigueur à leur époque sont légion. Le choix du plâtre, appliqué et remodelé sur pierre, étonne Stirling. Mais ce cas, pour n'être pas très usité, existe bel et bien dans l'Égypte ancienne. On comprendra que l'argument des pigments antiques ne touche pas le sceptique, car il pourrait selon lui avoir été trouvé dans l'atelier de Thoutmose et ensuite utilisé. Le plâtre, lui, ne pouvant être daté avec certitude dans l'état de la science, bien qu'il s'embrosselait quelques particularités de fabrication inconnues des faussaires de 1912. Si cela ne prouve pas l'authenticité, ces observations ne font pas non plus avancer la thèse d'une falsification moderne. En d'autres termes, si rien ne prouve à l'heure actuelle que le buste est antique, rien ne prouve incontestablement non plus qu'il est du XXe siècle. Voici ce que propose Stirling comme explication. Si l'on met en doute l'authenticité d'une œuvre, encore faut-il se demander dans quel but une telle copie d'ancien aurait été produite. Il est rare que l'on confectionne méticuleusement un faux, que l'on parodie une création pharaonique pour le simple plaisir de piéger quelques confrères. Cela arrive, certes, on l'a vu à propos d'une manœuvre de Borchardt précisément. Mais le plus souvent, le faussaire est mu par l'attrait du bénéfice qu'il pourra tirer de son travail en cas de succès sur le marché de l'art, voire le négoce d'Aslanian.
pour ce qui est du buste de Néfertiti. En revanche, il ne semble pas que ce soit le cas, car l'objet n'était pas destiné à la vente. Il ne visait certainement pas à ridiculiser un égyptologue. En général, il faut admettre qu'il existe un mobile fort pour qu'un artiste réalise une œuvre de qualité, répondant à des préoccupations scientifiques. Dans le cas du buste polychrome, quel pourrait être ce mobile, si ce n'est le besoin de réaliser une expérience scientifique? Or, un tel mobile semble bel et bien exister. C'est, semble-t-il, le désir de Borchardt de réaliser une reconstitution sérieuse permettant de faire une démonstration dans un domaine esthétique. L'archéologue voulait étayer de manière plausible une hypothèse dont dépendrait l'interprétation de l'art d'une époque donnée. Je suis convaincu que le buste de Néfertiti a été confectionné pour répondre à deux interrogations de Borchardt. 1. Il désirait se rendre compte de ce que donnerait une sculpture en ronde bosse figurant la reine d'Égypte, surmontée de son étrange couvre-chef en forme de couronne tronconique, sculpture dont aucun exemple n'existait. Alors que les tenons surmontant les portraits en quartzite du sculpteur Thoutmose montraient qu'un couvre-chef était projeté et que divers bas-reliefs en donnaient des figurations de profil. 2. Il voulait disposer d'un modèle pour se rendre compte de l'effet de polychromie et pour mieux connaître son rôle dans la statuaire égyptienne à l'époque amarnienne, en particulier dans les portraits de souverains. Il s'inscrivait ainsi dans un débat qui battait alors son plein. C'est probablement pour répondre à ses préoccupations que Ludwig Borchardt a fait réaliser à Tel el Amarna par le sculpteur de l'équipe de fouilles, le désormais célèbre buste. Ailleurs dans le livre, on trouve « Une chose est certaine, le buste polychrome de Néfertiti apparaît en décembre 1912. Il passe alors pour une pièce découverte dans la journée du 6 décembre, jour où les altesses de Saxe sont venues sur le chantier pour une visite du site où ont eu lieu récemment des trouvailles archéologiques retentissantes. Coïncidence, coïncidence. Lorsque les dites altesses découvrent le buste polychrome et se font photographier à son côté, elles sont persuadées qu'il s'agit bien de l'une des merveilles mises à jour par Borchardt. Alors que là où les photos furent publiées dans la presse, il n'était guère possible à Borchardt de signaler que l'objet photographié n'était pas ce que les altesses royales croyaient. Ce serait revenu à ridiculiser ces dernières. Une telle idée était impensable à cette époque, à l'égard d'une famille régnante d'Allemagne. Je précise que la Saxe, en 1912, est encore un royaume. La monarchie ne s'effondrera qu'en 1918 sous Guillaume II, par la renonciation au trône de Frédéric Auguste, qui aura régné de 1904 à 1918. Toute allusion à cette bévue royale aura été considérée comme un crime de lèse-majesté. De plus mal intentionné que moi, s'interrogerait sur le rapport entretenu par Stirling avec le pouvoir, sur son obsession du respect dû aux grands de ce monde. L'absence d'œil est un crime de lèse-majesté. Détromper les altesses de Saxe aurait constitué un crime de lèse-majesté. Sans insister, abordons un autre point que Borchardt se soit investi dans la dénonciation des faux antiques, notamment d'Oxane Aslanian, 1887-1968, n'en fait pas un faussaire lui-même. Plus généralement, il faut reconnaître que l'hypothèse formulée paraît séduisante au premier abord, mais qu'elle présente quelques failles majeures. Tout d'abord, et pour aller un peu dans son sens, il est surprenant que Stirling ne suppose pas tout simplement que ce buste exceptionnel aurait pu être fabriqué pour combler James Simon, le riche mécène de toute cette opération de fouille. Car c'est chez lui que le buste arrive après sa sortie d'Égypte, et c'est dans sa collection privée que Borchardt, essayant d'empêcher une trop grande exposition publique, voulait le laisser. Mais une autre constatation balaye toutes ces conjectures. Si Borchardt, au départ,
en toute honnêteté scientifique, avait voulu constituer une maquette, pourquoi aurait-il voulu que les oreilles et l'uréus en soient cassées? Pourquoi aurait-il demandé qu'un seul œil soit fini? Pourquoi aurait-il souhaité que la peinture à l'arrière de la coiffe soit abîmée? Ces éléments ne sont compatibles qu'avec la volonté de produire un faux, et non pas celle de fabriquer un modèle. Pour comprendre à quoi pouvaient ressembler les bustes inachevés, évidemment prévus pour recevoir cette couronne si particulière. Stirling ne veut même pas voir ce cas, et son hypothèse achoppe évidemment sur ses évidences. Stirling dénonce le flou avec lequel Borchardt relate sa découverte, et doute que le buste ait pu être trouvé dans les gravats de l'atelier du sculpteur Thutmose, face contre terre sans être plus détérioré qu'il n'est. C'est possible. Comme il est possible que Borchardt ait trouvé cet objet légendaire ailleurs et qu'il n'ait pas voulu révéler où. Cela ne fait pas de Borchardt un faussaire, mais seulement un menteur. Quand Stirling s'étonne que Borchardt ait écrit que la Néfertiti polychrome était en calcaire, alors qu'il ne pouvait pas le savoir, le plâtre et la peinture le recouvrant totalement, il néglige que l'archéologue ait pu simplement le supposer, ne serait-ce qu'au poids. Car Borchardt n'était pas d'une grande rigueur, on le voit par exemple quand il qualifie la tiare de la reine de « perruque ». Le buste polychrome n'est pas le seul objet dont il ne précise pas la date et le lieu exact de découverte. Quand Borchardt publie face à face le profil du buste polychrome et symétriquement un buste en plâtre, portant des indications originales de retouche, et qu'il commande ce dernier de la sorte, état antérieur du précédent modèle de portrait. Stirling voit une incohérence qui alerte sa sagacité. Alors qu'il peut s'agir d'un relâchement de la pensée comme de la phrase, Borchardt voulant dire qu'à son avis, le portrait en plâtre était appelé à ressembler à l'autre. Stirling voit à tort Borchardt comme un scientifique rigoureux, ce qui le conduit à parier pour une volonté de dissimulation. De plus, il centre trop ses investigations sur une seule pièce, qui le passionne, négligeant d'autres invraisemblances qui permettraient de mieux cerner le personnage de Borchardt. La naïveté de Stirling le rend d'ailleurs sympathique quand il présume à tort la bienveillance d'officiels tels que Dietrich Wildung et Rolf Krauss pour ses recherches. Par ailleurs, Stirling n'est pas non plus exempt de laisser sa phrase dépasser sa pensée quand il qualifie à plusieurs reprises le buste d'intact, alors qu'il porte quelques marques, certes secondaires, de dégradation. Et quand il dit à propos d'une photo ancienne publiée que l'oreille qui partout est cassée est encore intacte. Il semble ignorer l'angle de vue particulier du photographe et le travail que l'on peut effectuer pour retoucher un cliché. Par ailleurs, Stirling est le seul à avoir une oreille intacte. Peut-être est-il abusé par le noir et blanc et la médiocrité du cliché. Il est à peine plus grand qu'un timbre-poste, avoue-t-il lui-même. Comment peut-il sûrement distinguer ces détails? Plus loin, il montre une photo du profil gauche en constatant « Elle présente toutefois une curieuse particularité, l'œil gauche normalement absent a été ici retouché et complété sur l'image ». Comment n'imagine-t-il pas que le même travail d'amélioration ait pu être effectué sur l'autre profil, ce qui suffirait à résoudre ses soupçons? Mais pour continuer sur la prétendue réalisation en cachette d'une reconstitution, est-on sûr que Borchardt appréciait tant la polychromie qu'il ait voulu risquer un exemple aussi accompli? Alors,
Un exemple avec seulement des rehauts de crayon aurait suffi. L'égyptologue Rudolf Hantès, son cadet de 33 ans, lui n'approuvait guère toutes ces couleurs. L'avancée du savoir et du goût ne l'avait pas converti. Combien de fois n'a-t-on pas lu que les temples grecs, comme l'Hermès de Praxitèle, étaient bariolés de couleurs criardes, que nos yeux raffinés ne supporteraient plus. Bénis que nous sommes de pouvoir les apprécier tels qu'ils sont maintenant, dans la blancheur immaculée du marbre. Pourquoi ne peut-on pas dire qu'ils étaient autrefois rehaussés de belles couleurs? Quelle perversité conduit à glisser un jugement péjoratif? Voici comment Stirling récapitule sa thèse. Les scientifiques et les institutions chargées de veiller sur le buste de Néfertiti, sachant que l'authenticité de l'œuvre est pour le moins discutable, ont tenté de la prouver en se fondant sur des démonstrations recourant à des procédés parfaitement scientifiques, mais qui n'ont rien changé au fait qu'en l'état de nos connaissances et techniques, l'ancienneté de l'œuvre est tout simplement indémontrable. Oui, comme le contraire d'ailleurs. Borchardt lui-même a signalé avoir trouvé dans l'atelier du sculpteur Thutmose une quantité de pigments anciens. On pouvait donc en tirer parti au XXe siècle. Le fait que les pigments qui couvrent une œuvre sont authentiques ne prouve pas que celle-ci le soit aussi. Surtout lorsque l'on sait que l'équipe de Borchardt comprenait un sculpteur. Oui, il n'a jamais été rare dans une campagne de fouilles qu'une équipe d'archéologues intègre des artistes. De même, le recours à la tomographie ne démontre rien. Elle permet de décrire la structure interne de l'œuvre et de faire apparaître les repentirs de l'artiste, mais ne dit ni qui était ce dernier, ni quand il a effectué son travail. Conclure que c'était Thutmose simplement parce qu'on est parti de l'hypothèse que c'était lui est purement tautologique et un peu simpliste. Faisceau de preuves. De cette enquête, il résulte un formidable faisceau de preuves et d'indices qui montre que le buste polychrome de Berlin, sans être un faux, destiné au marché des antiquités, est le produit d'une expérience moderne. Pour la clarté de l'exposé, je reprends ici, point par point, les données qui composent ce faisceau. Les voici dans l'ordre où elles me sont apparues. 1. Les épaules du buste sont coupées verticalement, selon un usage qui ne répond pas au canon de la sculpture pharaonique, mais qui correspond à ceux du XXe siècle. 2. L'œil gauche de la reine est vide et n'a jamais été réalisé. Son absence, qui constitue un outrage à la souveraine, ne s'explique pas dans le contexte de la sculpture pharaonique. 3. Le caractère de ce buste. Sculpté dans une épaisse couche de plâtre ou de stuc enveloppant un noyau de pierre, est inusité et en fait un apax. 4. Ludwig Borchardt, dans son rapport, parle d'un buste de calcaire, alors qu'il était impossible de connaître le matériau contenu sous le plâtre avant d'avoir fait un examen au rayon X. 5. Les recherches modernes, fournies par la tomoscopie et les rayons X, n'apportent pas la preuve de l'authenticité de l'œuvre. Toute conclusion, de ce point de vue, ne saurait reposer que sur une pétition de principe. 6. Les preuves tirées de l'analyse des pigments n'ont pas plus de valeur puisque Borchardt pouvait se servir de ceux qui ont été découverts lors des fouilles à Tel el Amarna. 7. L'histoire de la sortie d'Égypte du buste en 1913 à la barbe des autorités des antiquités d'Égypte est purement rocambolesque. Jamais le buste n'a été officiellement attribué à l'Allemagne. 8. La volonté manifestée pendant 10 ans par Ludwig Borchardt de soustraire l'œuvre à la vue du public et aux photographes atteste la gêne qu'il éprouvait à donner le buste pour authentique. 9.
en offrant le buste à Simon, Borchardt voulait éviter de le présenter officiellement au musée et aux spécialistes de l'égyptologie. Il confirmait ainsi sa volonté de se défaire d'un objet encombrant du point de vue scientifique. 10. L'interdiction faite par Borchardt à Simon de prêter l'œuvre pour une exposition consacrée aux découvertes de Tell el-Amarna à Berlin en 1913 démontre, sic, sa volonté de soustraire l'œuvre au regard des spécialistes. 11. Le recours qu'il adresse à la chancellerie d'État en 1918 pour empêcher toute présentation publique de l'œuvre est une tentative analogue qui indique le malaise entourant le buste. 12. Le refus de Borchardt durant plus de 10 ans de rédiger un rapport de fouille sur la découverte du buste et l'absence d'une notice scientifique consacrée à sa description constitue la preuve, sic, que l'objet ne pouvait, aux yeux même de Borchardt, être classé parmi les trésors du musée. 13. La rédaction désinvolte de la notice de 1923 manque singulièrement de rigueur scientifique et fourmille d'invraisemblance, ce qui est incompréhensible si l'on admet que l'œuvre représente une découverte capitale de l'égyptologie. 14. Le récit de l'apparition de la nuque du buste lors de sa prétendue exhumation est rigoureusement impossible, la position décrite de l'objet face contre terre l'interdisant absolument. 15. L'occultation du journal de fouille de Borchardt, dont l'existence est par ailleurs attestée par les membres du musée de Berlin-Est, démontre, sic, qu'il contient des données que l'on veut aujourd'hui encore cacher au public. Il me semble avoir répondu à l'essentiel de ces points, sans même souligner qu'il existe un buste amarnien que nul ne conteste, où les épaules sont absentes. Mais il reste à formuler une théorie que Stirla n'a pas émise. L'attitude de Borchardt peut s'expliquer tout autrement. Il aurait pu avoir conscience d'avoir sorti frauduleusement un témoignage de la plus haute importance et redouter la réaction des autorités égyptiennes. Non seulement son pays, mais lui-même, aux yeux de ses contemporains, pouvait être atteint cruellement. Il se sera donc employé à éviter de faire trop de vagues. Comment a-t-il obtenu ce fameux buste? Comment a-t-il réussi à lui faire passer les frontières? Mystère. Borchardt avait-il un accord secret avec Simon? Est-ce parce que le mécène tenait beaucoup à ce buste qu'il ne fallait pas qu'enfle sa réputation pour en faire un objet qui revienne inévitablement à un musée? Manœuvre qui se révéla impossible à réussir. Comment savoir? Mais toutes ces zones d'ombre ne prouvent ni ne démontrent quoi que ce soit. Stirling, bizarrement, reste aveugle à ces possibilités et ne s'étonne pas plus que l'Égypte et ses experts, comme actuellement le terrible Zahi Hawass, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, tiennent autant à récupérer une œuvre que lui persiste à croire mensongère. Du moins, ses preuves et ses démonstrations, qui n'en sont pas, ne peuvent emporter l'adhésion.